Et ravi de vous retrouver dans BioShock Infinite pour l'encre. Eh ben c'est parti, on va rentrer dans l'encre. Hop, on va prendre tout ce qu'il y a. Non, je suis pas full vite, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... ok. Faut que je me remette un peu dans le bain parce que... Ça fait un moment que j'ai pas repris. Alors là, on va faire écouter ça. Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi. Nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. Cette Daisy Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais seulement par nécessité. Je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toge de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix. Maintenant que Comstock est parti, les actes de mes hommes vont redevenir sacrés et ils vont pouvoir reprendre ce qui leur est dû. Je n'ai pas besoin de vivre pour assister à ça. Bon, bah écoutez, on va continuer, hein. Donc l'antre des héros. C'est parti. Ah, j'ai oublié de... Notre prophète, le père Comstock, commandant de la 7e cavalerie. Il a jamais mené la 7e. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh mon Dieu. Slate ! Slate, c'est toi ? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker ? Attendez, désolé, hop. Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électroquartz, eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Je vais prendre le fusil à pompe. Oh. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat. Et on va balancer ça, allez hop. Un peu le ménage. Hop là. Et voilà, un peu de ménage, bien fait. Tu vois, tu es un tueur, Booker. Que tu le veuilles ou non. Donne-nous l'électroquartz. On va fouiller un peu partout, par ici. Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. On arrive, mon gars. On prend un peu d'argent, etc. Ouais, je vais prendre un peu de bouclier. Voilà, pour monter mon bouclier. C'est ce qu'il me fallait. Hop, 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 on va fouiller un petit peu partout. Et on y va. On va... Donc là, un épisode qui va durer très longtemps. Hein, 28, 20, à peu près 27 minutes. À peu près 27-30 minutes. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel. C'est pas toujours facile à trouver. Donc installez-vous, prenez un sandwich, prenez votre temps. Non, on en a pour 30 minutes de vidéo, donc... La révolte des boxeurs. À Pékin, c'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Oh là. Bien sûr, ce n'est pas la version de Comstock. On va rentrer ici dans la réserve. On va prendre un petit cadeau. Hop. Alors, c'est quoi ça? Alors, vous êtes plus difficile à repérer. Ah ouais, bah je vais prendre ça, tiens. Pour les tourelles, en fait, on est... Ok, lingot d'or, lingot d'argent, j'ai pas vu ça. On y va. On va pas perdre trop de temps. Oh, bonjour, au revoir. Ah, j'ai pas fouillé? Bah si. Ouais, des munitions, on va recharger. Hop, on va prendre ça.
teint jaune et les yeux bridés. Ils nous trahissent, l'arme à la main. Mais ils se retrouvent sur le chemin de notre prophète courroucé. Vraiment, c'est vraiment des racistes à Columbus. À Columbus, Columbia. Ah, oh, je connais, c'est Comstock. Comstock n'était pas là. Les boxeurs ont pris mon œil et 30 de mes camarades. Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice? Attendez, je vais me mettre ici. Ça va être vachement plus facile. Ah ouais, putain, y'a un truc, donc... hop, faut prendre ça. Il est où lui avec ses flammes là? Ah il est là. Hop, lui, faut le faire voler. Il est mort non, je crois. Hein. Je crois qu'il est mort. Ah non, il est pas mort, hein. Putain. Oh putain. Tiens, foiré. Là. Tiens. Merci. Tu vois, jeune fille, tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être? Un vrai soldat. Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien, mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les danseurs fantômes. Wounded Knee, il veut qu'on aille voir l'autre exposition. On est parti. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres. On va aller à l'autre exposition. Oh putain, la tête. Oh putain. Oula. Oh c'est gore hein, franchement là. On y va. Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Vaut mieux pas que tu le saches. Qu'est-ce que c'est ça? Augmenter les rayons d'effet de vos armes explosives. Ouais, de toute façon on va prendre, hein. On n'a pas le choix. On a de là, on a beaucoup d'argent, hein. Faudra faire des emplettes. Ouais, qu'on fasse des emplettes. Je parle pas beaucoup parce que on parle beaucoup le scénario. Parle beaucoup donc je vous laisse vraiment dans le scénario. Hop. Sous les clameurs, il danse parmi nos morts, mais sous l'assaut de nos soldats, la reddition est leur seul choix. D'accord. Vous y étiez, à Wounded Knee. Je le vois sur votre visage. Dis-lui, Booker, dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme les héros de Sparte. Moi, j'entends encore les hurlements. Mais Comstock, lui... Voilà le soldat dont je parlais. Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être. Vous voyez, je n'ai pas menti. Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? J'ai un pont, donc après... oui, je peux t'arrêter. Ah mais c'est un cadavre. Je tire sur un cadavre. Chut. Putain, mais ils sortent d'où les mecs quoi. On va prendre un peu de plasmide là parce que... J'ai un peu de plasmide. Quoi c'est pas... C'est plus des plasmides mais bon...
Ah ouais, putain. Ah, c'est pas quoi ça. Mais tu as bavé une fleur au cœur. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je reprends ça. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. Allez, ouvre la porte. Qu'est-ce que vous effacez? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Eh ouais, mademoiselle. Monsieur DeWitt. Vraiment? Et si tu te réveillais un beau jour et que tu réalisais que tu t'es trompé? J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la première dame. Bon, on va passer par là. Allez, ouvre ta porte. Bonjour. Plus de tête. Bonjour. Je vous laisse un peu les dialogues, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une. Que vous apprenez un peu plus sur le scénario quand même. Comme Stock. Pour ceux qui s'intéressent au scénario, bien sûr. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée, mais elle n'aura pas l'enfant, elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, je... Mais non! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney! Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut! Et moi, j'aimerais un poney, je vois pas le rapport en fait, mademoiselle, avec le poney, quoi. C'est verrouillé. Je vois pas de rapport là, madame. Envers ceux qui m'aimaient. Je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétiné, le prophète m'a dit « Rien de tout ce que tu as fait ou feras ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue, et par ses yeux, tu seras toujours aimé. » Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Ah. Moi je peux passer, mais vous êtes trop large. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. Bon. Ouais, bon, bah maintenant fais ton truc. Là. Est-ce que... C'est une faille, je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Mmh. Ah, maintenir. Ok. On est parti. Hop. Surprises nous attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Regardez-les là-bas. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Ouvre-la! Je suis pas sûr de comprendre, mais je vais pas me plaindre. On est parti, on va se battre. Rappelez-vous pourquoi on se bat. Oulala, là, je prends cher. Oh putain, l'enfoiré.
là là. Merci beaucoup. Parle plus. Impressionnant ce que peut faire cette petite. As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet? Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate! Allez, on y va, on va chercher Slate. Ou Slade, je sais pas comment il s'appelle. Allez, beauté les faces. Essaie de repérer ce tonique électroquartz. Allez, mais pourquoi? Ah, voilà, ok. Alors, il va y avoir un truc qui va sortir d'ici. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. C'est parti. Ouh là là, je joue un peu n'importe comment, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Voilà. Tu vois, Booker, prendre des soins. Peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu alors. Peut-être as-tu changé. Hop. Peu importe, Comstock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. On va recharger ça, parce qu'on en aura besoin plus tard. Donne-moi ce que je suis venu chercher. C'est fait. On est parti. On va fouiller un peu partout. Hop. L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électro. On va ouvrir ça. Non, je peux pas ouvrir. Regardez. C'est pas grave. Allez, on y va. On va chercher l'électroquartz pour pouvoir passer. Si vous vous rappelez bien, faudra passer. Voilà. On est coincé pour la nacelle, donc on est obligé de venir ici pour l'électroquartz. Alors ici. La fin de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slade qui a tué pour son pays à Wounded. Si je recharge. C'est Slade qui s'est battu à Pékin. Slade. Alors là, ça va sortir Slade de partout. Comstock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Oh oui, son but ultime, c'est de nous transformer en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé, mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonique, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et voilà les enfants, une vraie mort de soldats. Hop, on va se barrer, on va se mettre à l'abri parce que là il y aura du monde. Voilà, il est trop loin. Prenez ça. Ça m'aide beaucoup. Ils sont tous là-haut les enfoirés. Attention. Voilà, j'ai pris la mauvaise arme. Heureusement que j'ai des kits de soins pas loin. Je vois pas qui me tire dessus par contre là. Ah ouais, il est là-bas. D'accord. Viens là. On va recharger vite les armes avant qu'il débarque. Le Booker DeWitt de mes souvenirs. Soldat de plomb. Soldat de plomb. Parti, attention, ils vont tous arriver par là. Oula, attention. Euh,
Merde, j'ai plus de tonique. Ça va aller. Non, ça va pas. Putain. J'avais oublié qu'ils explosaient, eux. C'est tout ce que tu sais faire, soldat. Oh, ramasse. Fais un effort, DeWitt. Ne déçois pas mes hommes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh là là, il y a... Ah oui, il y a... Bon, on va prendre ça. Je vous laisse écouter ça. Mes hommes et moi sommes condamnés à l'échec, tout comme l'était ce courageux Custer à Little Bighorn. Mais nous ne céderons pas face à Comstock et à ses soldats de plomb. Mon éclaireur l'a aperçu. Booker DeWitt arrive, il se dirige vers l'antre. DeWitt. On l'appelait l'Indien blanc de Wounded Knee. Pour tous les horribles trophées qu'il rapportait. Un homme aussi honorable. Allons, DeWitt! Montre-moi de quoi tu es fait! Par contre, j'aurais besoin de cristaux. Il n'y a pas de cristaux ici. Oula. Faut très attention à ça. Recharger. Par contre, j'ai pas de cristaux. Bon, c'est pas grave. On va continuer par là donc. Je vous ai dit, hein, ça va être une vidéo très longue. Ça, ça sert à rien. C'est pareil, ils servent à rien. Ah, j'ai du cristaux. Non, j'ai le fusil à pompe, donc le fusil à pompe... en général... pas de problème là-dessus. Allez hop. On va prendre le truc. Ce n'est pas fini, soldat. Tu dois terminer ce que tu as commencé. Allez. Bon, moi, comme je suis sympa, je vais le laisser en vie. De toute façon, ils vont le tuer, donc. Un soldat de plomb maintenant. Un soldat de plomb. Moi, je suis sympa. Voilà, je le laisse en vie. Hop, je prends juste ce plasmide ou ce pouvoir, comme vous voulez, peu importe. Qui va nous permettre de d'avoir des l'électricité tout simplement, comme ça va être expliqué dans le petit bonus. Voilà. Voilà, tout simplement. Je pense que vous avez compris. Hop. Vous l'avez épargné. C'était pas de la pitié. Les hommes de Comstock vont la voir. On va passer par là. Est-ce qu'un jour on s'y habitue? On va courir un peu. On va courir un peu. Hop. Oh. Oh, oh. Ça si c'est pas joli ça. Franchement. Petit gâteau. Si ça c'est pas joli. Merci. En fait, je parle pas beaucoup parce que ça, dans le jeu, ça parle beaucoup, beaucoup. Et, c'est un corbeau. Il y a un corbeau. Et un corbac. Oh là 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 là. Ouais. Il y a un corbeau. Hop. Oh putain, comment il vole. Oh putain. Recharge, dépêche-toi de recharger. Mince, je l'ai raté. Foiré. Ah oh, putain. Ah mais. Allez hop, c'est parti. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai pas parlé beaucoup lors de cet épisode parce que ça parle beaucoup, vous voyez, ça parle beaucoup, beaucoup. Il y a ceux qui survivent. Donc je vous ai laissé quand même le scénario. Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Et voilà, on va retourner au Memorial Hospital. Voilà. Bon bah écoutez, je vais quitter la zone, je vais vous laisser
ici. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai pas beaucoup parlé, mais ça parle beaucoup et le scénario est très important, je pense, pour ce genre de jeu. Surtout qu'ils ont fait un scénario bien, pour une fois, un bon scénario qui tient la route. Donc ça serait un peu dommage de passer derrière ça. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je n'ai pas parlé du tout, pas grand chose. Je suis désolé, j'essaierai de parler un peu plus la prochaine fois. C'est vrai, comme je vous ai dit, ça parle beaucoup par rapport au scénario. C'est vrai que c'est mieux. Je préfère vous laisser écouter le scénario qui est intéressant et pas mal du tout. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, à samedi prochain. Bye bye.